Ik ben Mustafa Benkrom, van Marokkaanse origine, oorspronkelijk uit Tanger, 36 jaar en sinds 1998 ben ik ook acteur. Wel, Antwerpen is wat wij Antwerpenaren noemen een wereldstad, maar dan in het klein. Het is een heel aangename stad, ondanks de negatieve berichtgeving over veel racisme, hebben we toch een heel rijke culturele wereld hier eigenlijk in Antwerpen. Ik ben dus acteur. Ik ben daar heel toevallig in beland in 1998. Na een keer een vrijwillig en aan een theaterproject heb ik meegedaan, een sociaal-artistiek project in Borgerhout. En sindsdien heb ik al mijn studies opgegeven om mij verder eigenlijk in theater te gaan. De laatste film waarin ik heb gespeeld is De Hel van Tanger. Het gaat over een buschauffeur die naar Tanger gaat en in het terugkomen wordt hij gepakt door drugsmokkel. Dus ze vinden hash in zijn bus en hij belandt daar in het gevangenis. Ik heb een rol gekregen in die film. Ik speelde dus een corrupte advocaat. Het is een film die toch wel heel veel succes heeft gehad hier in België. Het is eigenlijk de eerste film waar je een groot aantal, ik zou zeggen, van allochtone origine hebt die erin meespelen, zonder dat het eigenlijk echt over de problematiek gaat. Wat anders wel was met de eerste film Casablanca. Hallo, komt je dochter? Best, best toe. Sie sind frei. Die anderen wurden leider schuldig gesprochen. Hast du schon? Das kann doch nicht sein. Ich hab gar nichts gemacht. Hört, ich bin unschuldig. Je m'appelle Mourad Zeghendi, je suis comédien. Mustafa Benkrom, je l'ai rencontré sur un spectacle qui s'appelle Belga. Et donc on joue ensemble en ce moment, on est en tournée un peu partout. On va venir jouer au mois de mai là, au Maroc, à Nador et où c'est encore Hussima, enfin dans le nord, tout ça, Oujda. Une petite tournée dans le nord. Mustafa Benkrom, je le connaissais moi via les films qu'il a fait, Casablanca, de Hel van Tanger, l'enfer de Tanger. Et puis on se connaissait comme ça. Il venait voir mes spectacles, j'allais voir les siens, machin. Enfin, c'est un petit milieu, tout le monde connaît tout le monde. Et puis on s'est rencontrés sur ce projet-là et on s'est super bien entendu. C'est un Tangérois comme moi. Et au début, c'était pas évident parce que voilà, il était un peu impressionné parce qu'il avait pas l'habitude et c'était plus un comédien de cinéma, il avait pas l'habitude de faire du théâtre, tout ça. Et donc il était un peu perdu, mais bon, après ça a été, il a trouvé ses marques. Et Benkrom, ouais, c'est un chouette bonhomme et c'est quelqu'un qu'il faut suivre. C'est un très très bon comédien. Après, suivez-le. Il parle arabe, il se débrouille un peu en français. Il parle néerlandais. Donc voilà, il a des atouts pour pouvoir jouer au bled ici. Donc c'est un Marocain. Il faut le suivre, il faut l'encourager. Et voilà, vive Benkrom.
Ik kom toch wel vrij veel obstakels tegen in mijn carrière. Spijtig genoeg, hier nog altijd in Vlaanderen, in het noorden van België, wordt men vaak gevraagd dus, als ze pas een Marokkaan nodig hebben. Wij worden nooit niet echt gevraagd om gewoon auditie te komen doen voor een gewone rol. Het is pas als ze een Marokkaan nodig hebben dat je wordt aangesproken. En dan is het een groot verschil met Franstalig België bijvoorbeeld. Ik heb een nicht van mij in Brussel die ook professioneel actrice is en zij heeft nog nooit een Marokkaanse gespeeld. En komt er ook bij dat je enorm veel geconfronteerd wordt met clichérollen. Ik probeer ze te overstijgen door de eerste, ik heb heel wat rollen geweigerd. Ik weiger om gebrekkig te spelen, gebrekkig Nederlands te spreken. Of als het echt een groot cliché is, dan weiger ik ook. Maar langs de andere kant, je moet in dialoog gaan met de maker zelf. En veel beseffen het wel, maar ze doen het en het is niet altijd het slechte wil. En ik hoop alleen maar dat er nog meer allochtone acteurs komen van Marokkaanse origine, zodanig dat we dit eigenlijk kunnen doorbreken. Moi, je suis d'origine du Maroc, du Nord, du Tanger. Mes parents sont venus ici, mon père en 65 et ma mère en 63. Et maintenant, je réalise que je parle français. Moi, à la radio, avec le Maghreb, avec Tanger, j'ai trouvé le cœur beaucoup. وعندنا باقي العائله ديالنا كامله تما وديك كل عام نمشيو تما ومره مره نمشيو كل عامين وطنجه هي دارنا عندي انفيرس وعندي طنجه. Ben, on est ici maintenant au quartier sud d'Anvers, un très beau quartier. Il y a plein de soleil, mais il fait trop froid. Et c'est un quartier avant où il y avait plein des émigrés qui habitaient ici, surtout des Turcs. Et à un certain moment, il y a aussi plein de grandes maisons. Et à un certain moment, il y avait plein d'artistes qui venaient vivre ici. Et maintenant, c'est un quartier très artistique, plein de chouettes cafés et des restos. Le premier film que j'ai tourné, c'était Casablanca. Il s'agit, pour dire en bref, c'est une histoire comme Roméo et Julia. Julia, elle était d'origine marocaine, d'une famille très islamiste, et Roméo, d'une famille belge, flamande, extrême droite. Et les deux, ils tombent amoureux, et ça cause beaucoup de problèmes avec leur famille. Et ça a été tourné en 2000. Et en plus, toute cette histoire s'est située dans la période avant les élections, la semaine avant les élections en 2000. Ce qu'on dit Zwarte Zondag, le dimanche noir. Parce que c'était la première fois que le parti Vlaams Blok, extrême droite, qui ont
qui ont gagné les élections et qui étaient les plus grands partis ici à Anvers. Après un an à Amsterdam, je suis revenu à Anvers et direct ils m'ont appelé d'un théâtre d'Arsenal. C'est un théâtre dans une autre ville, Malines. Et j'étais vraiment étonné quand ils m'ont téléphoné parce que les plus grands noms dans le monde théâtre qui jouent là. Alors j'étais un peu, en flamand on dit Ikus for Ir, qui m'ont appelé pour jouer chez eux. Et c'est la pièce belga, qui s'agit d'un jeune mec qui est venu de Maroc aux années 60, qui a fait connaissance avec une femme, une fille belge. Mais en même temps, tu as aussi l'histoire de son fils qui vient après son père est décédé chez la femme pour savoir plus de son père. Et moi, je joue le fils. Ben, avec le projet belga, on termine ce vendredi. On a encore quelques spectacles la fin du mois de mai au Maroc. Et maintenant, je suis en train d'écrire une nouvelle pièce, une monologue. C'est un livre que j'ai lu. Ça fait 5-6 ans passés et ça m'a beaucoup touché. Et il s'appelle Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Et c'est l'histoire, c'est un petit gamin de 10 ans qui d'origine juive qui fait connaissance avec un épicier qui est arabe. Et c'est il s'agit de l'amitié entre les deux. Et j'espère que je peux commence à m'en tourner le début de septembre.